Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture, l'ouverture du coffret Fulgudog V. Voilà, magnifique carte de Fulgudog, hein, je trouve. On la verra plus en détail après, mais avec un champ de fleurs derrière, très sympa. C'est un coffret à 25€ donc, et ce qui est sympa c'est qu'on a donc 4 boosters et 2 cartes promotionnelles. Plus une jumbo, hein, comme d'habitude dans les coffrets. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on peut voir que la Moumouton est un peu mal coupée. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Il n'en restait plus qu'un, de toute façon. On va s'ouvrir ça tout de suite. D'abord, je vais vous montrer le dos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, hein, si vous souhaitez lire. Et donc, je pense que je vais ouvrir ça hors caméra, ainsi que les boosters. Comme d'habitude, et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai pu déballer le coffret. D'abord, je vais vous montrer les boosters. Donc pour les générations plus les séries plus anciennes, pardon, on a Voltage Éclatant avec Pikachu Gigamax et Évolution Céleste avec Noctali. Très beau booster, hein, d'ailleurs. Je suis content d'avoir un booster épée et bouclier Évolution Céleste parce que j'avais pu en ouvrir qu'un. C'était celui du kit de collection. Je crois que c'était l'illustration de Nymphalie, d'ailleurs. Donc bah comme ça j'aurai 2 illustrations sur 4. Et j'ai eu pas mal de cartes d'occasion pour cette série. Mais j'ai pas pu ouvrir de booster plus que ça quoi. Et donc les deux stars étincelantes, Farfadué et Arceus. On va les ouvrir du moins récent au plus récent. J'ai bien fait de les ouvrir avant hein, parce que j'avais oublié à quel point les anciens boosters sont galères à ouvrir. Voilà. Je vais quand même vous montrer les cartes promo avant. On a donc ce magnifique Moumouton. Voilà. Je croyais que c'était une carte promo, mais non, c'est bien une carte de la série épée bouclier point de fusion. Simplement, elle est en holographique. La carte jumbo de Fulgudog. Voilà. Très content d'avoir une carte jumbo, hein, ça fait... En fait, ça fait depuis que j'ai acheté l'album pour les cartes jumbo que je n'en ai plus eu. Donc voilà, pas de bol. Mais elle est vraiment très belle. Avec le champ de fleurs rouges comme ça derrière. C'est très sympa. Et donc évidemment, on a la même mais en taille normale. Voilà. J'ai pas pris de sleeve avec... Bon, c'est pas très grave, j'irai en chercher après. On va d'abord s'ouvrir les boosters. Donc le Pikachu, il y avait une carte à code avec le coffret mais je ne vous la donne pas, je vais la garder pour le jour où l'application JCC Pokémon Live sortira. Celui-ci, je vous le donne. Hop, donc le placement reste le même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Bon, je m'attends à avoir beaucoup de doubles dans Évolution Céleste et Voltage Éclatant. Étant donné que j'ai déjà eu pas mal de cartes de ces séries. Picasso, Thiboudet, Statitique, Aspico, Nirondelle, une énergie feu, Capsule Mémoire, Girafarig, Lampérois. Derrière, on a une reverse Girafarig également. Et enfin, Munja. Munja. Ça me fait rire, Munja, parce que c'est quand même le seul Pokémon qui a 30 PV et qui sera toujours en rare. Mais franchement, j'aime beaucoup ce Pokémon, hein, et puis c'est un des plus forts au final. Donc voilà, très sympa. Un petit Munja. On passe à Évolution Céleste. Hop, je vous donne ce code-ci. Je vous en donnerai un des deux stars étincelantes, et puis j'en garderai un des deux comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Je me suis perdu. Alors. On démarre avec un Verpomme, Ponchio, Emolga, Tentacool, Pitrouille, une énergie eau, Badge élémentaire en objet, Ponchien, Masque spirituel. Derrière, on a la Reverse Rêve Ball et enfin, on a une simple rare avec Gigalite. Hop, on passe au booster de Farfadué. Je pense que je vais vous donner ce code là. Voilà, et puis je garderai l'autre. Hop, à l'endroit c'est mieux. Voilà.
Le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. On n'a pas de carte, la carte spéciale Vestar. Et on démarre avec un petit Riolu que je n'avais pas. Carabing, que je n'avais pas non plus. Starry, décidément. Shunity, je n'avais aucune de toutes ces cartes. Mélofée. Une énergie électrique. Boscara. René. Click. Derrière, c'est une reverse Electek. Je l'avais déjà en reverse en plus. Et enfin, on a une VMAX. Galeking VMAX. Super. Et ben, je suis très content. En plus, j'avais Galeking V. C'est assez rare que j'ai les deux. Enfin, ça n'était même jamais arrivé encore. Super, elle est vraiment très jolie. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus claire que les autres VMAX. C'est parce qu'ici, elle est un peu bleu clair. Je pense que ça ne se voit pas bien, en fait. Elle brille un peu trop. Mais voilà, elle est un peu plus claire que d'habitude, je trouve. Très jolie. Bon, ben, j'aurais quand même dû aller chercher des sleeves avant. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser là. Hop. Voilà. Et on va s'ouvrir le dernier booster. Je sais pas si on pourra faire mieux, hein, du coup. Hop, voilà. Donc ce code-ci, je le garde pour moi. Le placement. Pas de carte Vestar. D'ailleurs, on n'a pas eu de carte secrète de l'art set de cette série. Deden, Canard Show, peut-être qu'on en aura une dans ce booster-là. Kenotor, Electek, Brutalibré, Énergie Plante, Vibranymphe, que je n'avais pas. Barista, Chimpanfeu, derrière, donc c'est une reverse, Tropius. Et enfin, on termine avec Manaphy en simple rare. Voilà, donc franchement, une ouverture plutôt chanceuse, hein, je trouve, pour un coffret. Parce que c'est déjà arrivé que je n'ai que des rares dans un coffret. Donc une Galeking VMAX. Vraiment très jolie. Très très jolie. Hop. Et donc on a le Fulgudog V promotionnel. Voilà. Et bien écoutez, je trouve que c'est une ouverture vachement chanceuse. J'espère que ça vous a plu. Moi j'étais très content de pouvoir ouvrir un coffret. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de coffret... normal comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager et à commenter. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.